Donc, faut pas hésiter à poser des questions à ces gens, leur dire, nous, on veut que vous répondiez à nos questions. On n'a plus envie d'écouter vos conneries. Oui, parce que dans le Coran, il est dit que les bannis Israël, c'est pas les Juifs. Bah, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire donc que la terre d'Israël, la terre promise d'Abraham, c'est pas aux Juifs. Le Coran? Oui. C'est quel passage? La sourate 10, versets 84 et 90. C'est quel chapitre? Sourate 10. Je ne les connais pas en chiffres. Que là, je suis en voiture. Ah. C'est pour une... Là, vous me rappelez. Bon, je vais le dire le... D'accord. D'accord, bah je vous rappelle alors. Tu as droit à l'action, mais seulement à l'action, et jamais à ses fruits. Que les fruits de tes actions ne soient point ton mobile. Et pourtant, ne permet en toi aucun attachement à l'inaction. Fais parce que c'est simplement une bonne action. Ne commence pas à te faire des lavages de cerveau. Parce que les gens aujourd'hui, ils se prennent trop la tête, ils sont trop là, ils réfléchissent et pourquoi et comment. Mais quand ils doivent faire une action qui va vers le mal, ils réfléchissent pas. Demande aux gens d'aller s'acheter un paquet de cigarettes, ils vont pas hésiter. Demande aux gens d'aller jouer un match et de parier sur des équipes, ils vont pas hésiter. Demande aux gens de bouffer un truc de merde qui leur font du mal à la santé, ils vont pas hésiter. Mais demande aux gens de faire quelque chose de bien et là ils vont réfléchir. Ils vont commencer à se dire est-ce qu'il n'y a pas un complot? Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est mauvais? Est-ce que c'est un voleur? Est-ce que c'est un escroc? Mais pourquoi les gens sont comme ça? Faites le bien, c'est tout. Faites le bien. Parce que, comme je vous ai dit, c'est la seule chose que vous allez prendre avec vous quand vous allez mourir. C'est la seule chose que les gens ils vont dire, ouais, ce type-là, il était bien parce qu'il a fait ça, parce qu'il a fait ci, parce que, voilà, une autre fois, il m'a aidé. Et puis voilà, quand vous allez mourir, vous allez vous rendre compte que le bien que vous avez fait, ben, c'est pas le matériel, c'est pas le fait que tu as acheté ton paquet de cigarettes, c'est pas le fait que tu as été voir une pute, c'est pas le fait que tu es sorti en boîte et que tu as fait le malin, que tu es sorti avec trois gonzesses. Non, tout ça, les gens, ils vont même pas parler de tout ça. En fait, tout ça, c'est des petits trucs, c'est des trucs éphémères. Les choses qu'on va retenir de toi, c'est les bonnes actions. C'est pour ça, faut pas s'attarder au matériel, faut pas s'attarder à vouloir faire comme tout le monde pour paraître, ouais, hier je suis un gars. Non, soyons des bonnes personnes. Et si on parlait bien, et si on parlait le plus propre possible, même si des fois, voilà, moi aussi dans mes vidéos, je dis des sales mots, mais voilà, je dis pas que je suis le meilleur. J'essaie simplement, via cette chaîne, de me remettre aussi en question, et j'espère que cette remise en question que je fais sur moi-même, bah, ça vous permet aussi de vous remettre.